promène. Oh, mais toi. Mais eh ben, y a du monde cette année à la station, hein. C'est vraiment bien dommage.
On aurait pu faire du ski ensemble tout le week-end. Bon, ben moi je vais m'installer. Oui. Je peux prendre la chambre que je veux, madame. Mais oui, mais non, 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 non. On va laisser la bleue à Bernard. Parce que la dernière fois qu'il est venu ici, quand même, tu ne te souviens pas, tu étais trop jeune. Mais il a beaucoup aimé cette chambre. Et donc, pour éviter tout scandale, on va lui la laisser. Merci. Ok, pas la bleue. Oui. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Oh, mon Dieu. Et dire que ce qu'il va apprendre ce week-end, ce petit Clément, va lui changer la vie. Non, pas que la sienne, hein, celle de toute la famille. Oui, mais enfin, quand même, tu vois bien, je suis vieille, et il est important maintenant que tout le monde sache. Enfin, bon, hé, t'as bien fait tout comme on a dit. Mais tout, de A à Z. Tu as le courrier. Mais je te dis que c'est bon. Bon, alors, va finir de t'installer, bon sang, avant que tout le monde arrive. Oh, je te jure, alors. Je vais t'aider. Maman, oui. On prend la belle chambre. Et papa la bleue, on va la laisser à Bernard.
Papa Bernard, bah oui, vas-y comme ça. Oh, je vais t'aider. Allez. À deux, ça sera beaucoup plus facile. Allez. Un, deux, trois. Tu viens. Thank you.
voyait Pierrot m'embrasser, et Bernard, et puis personne d'autre. Eh bien, c'est bien ce que je dis, c'est forcément la deux. Et demain, on saura. Oh là là, mais Clément, il va penser quoi de moi? Ça fait plus de 20 ans que je lui dis que son père n'est pas au courant que j'ai eu un enfant, que je le gardais pour moi. Je lui ai jamais dit que c'était l'un de ses oncles. Il va me détester. Mais bon, mais enfin quand même, il est très intelligent, ce petit, comprendra. Mais dis donc, t'as bien fait tout comme on a dit. Oui, tout comme tu as dit. D'accord. À Noël dernier, j'ai récupéré des cheveux sur les vestes de Pierrot et de Bernard. Ça c'est bien. Un peu de cheveux sur les vestes de Clément. C'est super. Et le tout est parti en Angleterre pour un testament. Et crois-moi, c'est dû. Ça fait un mois que j'ai cette lettre. Je ne l'ai toujours pas ouverte. Eh bien, plus qu'une journée, et demain, tout le monde saura. Allez, ça va bien se passer. Je pense que notre famille ne résistera pas à tel choc. Je te rappelle que je vois mes sœurs et mes beaux-frères régulièrement et que tout cela va exploser. Mais ne t'inquiète pas, tout va très très bien se passer, enfin quand même. Qu'est-ce qui va bien se passer, maman? Eh ben, qu'est-ce qui va bien se passer? Eh ben, ce week-end, ça va super bien se passer. Comment va la Francine? Ça va, et toi? Oh là là, par contre, t'as une sale tête, toi. Un coup de surmenage en ce moment? T'as une tête d'alcoolique. Mais si, 23 ans après, elle a encore des séquelles. Février, c'est le mois que je préfère.
C'est le mois où les femmes parlent le moins. Ah bon? Oui, il n'y a que 28 jours. Tu as de la chance que maman soit sortie. Sinon, tu te serais fait engueuler. Ah, votre maman, je la trouve très fatiguée. Je crois que c'est parce qu'elle doit nous parler de son héritage. Mais elle n'a jamais dit qu'elle parlerait de son héritage. Oh, désolé, mais son message d'invitation dit ceci mot pour mot. Et à cette occasion, nous parlerons de l'héritage d'un soir. Pour moi, c'est très clair. Elle a écrit l'héritage d'un soir. Elle n'a pas écrit son héritage. Oh, vous savez, à son âge, on n'a pas toujours toute sa tête, là. Vous voulez dire, un soir, on parlera de mon mari. Hé, je te rappelle que tu parles de notre mère, et qu'elle a tout juste 75 ans. C'est bien, je te dis, la date de consommation est foutue. On verra bien de quoi sera fait ce week-end. En attendant, vous devez aller vous installer, pour vous allez laisser la chambre. Ma chérie, va commencer à nous installer. Je t'en prie, ne prends pas tout à la fois. Fais plusieurs voyages. Je vais aller te donner un coup de main, Monique. Hein. Les hommes sont d'une galanterie dans le coin. Fais plusieurs voyages. Mais quel boulet! Mais encore, tu ne peux pas mettre. De n'importe quoi, je fais pas des visites à 23 euros. Ah, ben c'est sûr, vous les escrocs, vous vous contentez pas de 23 euros, hein. Oh, salut beau-frère, ça va? Oula, Danny Boone est arrivé. Tu es arrivé avec ton vélo ou avec ta camionnette jaune? Merci Bernard, je vais bien. Mais non, je vois que tu es en forme, le week-end va être long. Et puis je te rappelle que ça fait quand même 2 ans que je suis plus à la poste et que je suis passé chez Chronopost. Hein. Chez Chronopost? Alors là, si ça ne s'appelle pas de la promotion, ça, je m'incline. Chez Chronopost. Oh, stop! Halte au feu! On fait une pause! Sinon, on n'aura plus rien à se dire de week-end. Hein. Bien, très peu. Vous n'avez pas emmené avec vous le futur Albert Einstein? Et voilà, c'est reparti. Je suppose que vous voulez parler de notre fils Bastien? Oui, Bastien. Bastien est parti en Angleterre pour un perfectionnement de langue. C'est le dernier stage qui lui manque et après il aura son diplôme d'interprète. Interprète, sacré monsieur, hein? Je te signale qu'il parle couramment 7 langues. 7 langues? Il a 7 langues? Eh bien, Pierrot, s'il est au chômage, tu pourras toujours l'embaucher à la poste pour coller les teintes. J'ai juste pris quelques livres pour m'informer sur les maladies des ours, c'est tout. Et tu laisses tout cela porté par Monique. Ah, que voulez-vous, dans les couples, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je suis la tête, puis elle est jeune. Elle est pas marrante, qu'est-ce qu'elle a, elle est constipée en fait. Des enfants. Et vous, Ludovic, toujours prévu comme son père? Oui, en ce moment il est à Bordeaux, il termine son cursus, et ensuite il aura son diplôme de chiropracteur. Escroc de père en fils, sacré lignée, hein. Ça la louche, va. Il va chez tout naturellement les traces de son grand-père, c'est tout. Et vu la lourdeur de son père, il ne risque pas de perdre sa trace. Et même ses ornières, oui. Ses ornières. Oh, ses ornières.
Catherine Drambu. À tout à l'heure. Tu pourrais l'envoyer bouler le plus souvent. Il n'arrête pas de te vanner et toi tu dis rien. Ça me passe, mais il va complètement au-dessus de la tête, tu vois. Et puis, dans le fond, Bernard, il n'est pas méchant. Peut-être, peut-être, mais il a toujours l'impression d'avoir raison. Voilà. Bon, allez, je vais finir de nous installer pour le resto ce soir. D'accord? Ok, à tout à l'heure, chérie. Ah, ils t'ont abandonné? Ils sont épuisants, tous les deux. Chacun veut avoir raison, il n'y a pas de limite. Oh ouais, mais ils s'aiment bien quand même. Ah, c'est ça le pire, c'est qu'ils s'apprécient. C'est comme un jeu. Et toi, dis donc, quoi de neuf? On te voit plus le dimanche matin pour le footing, là? Oh non, c'est vrai, en ce moment, je suis un peu surchargée. Ah, c'est dommage, hein, cela te ferait du bien. Hein. Ah bon? Pourquoi? Tu trouves que j'ai pris des fesses? Oh non, 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 c'est pas du tout ce que je voulais dire. Oh, oh, oh la vache! Qu'est-ce qui t'arrive, là? Ouh là là, je viens de me bloquer le dos là. Oh mince, tu veux que j'appelle Bernard? Oh non, 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 ça va pas, c'est 50 euros. Ça c'est pas faux. Attends, je vais t'aider, j'ai un truc. Regarde, tourne-toi, tourne-toi. Ouh. Regarde. Tu appuies bien qu'on va 50 euros. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais ça devrait bien se passer. Dès que tu es prêt, tu me dis, je vais y aller d'un coup sec, ok? La dernière fois que j'ai fait ça à Christine, elle a trouvé ça super. Non, je te dis. Mais oui, c'est bon. Allez. Ah. Waouh, waouh, t'as appris à faire ça où? Waouh. Disons que j'ai un collègue qui se bloque régulièrement le dos à force de porter des colis. Et c'est ce qu'on fait pour le débloquer. Et tu pourrais peut-être me lâcher maintenant. Pardon, désolé. Mais dis donc, c'est si horrible que ça, le petit écarte-tout. Mais non, écoute, tu sais bien que tu es ma belle-sœur préférée. Ah, eh, justement, tu te souviens le soir de mes 25 ans? Ah non, tu ne me reparles pas de ça. Ce soir-là, j'ai pris la plus grosse cuite de ma vie, je me souviens de rien. Ouais, tu es sûr que tu ne te rappelles rien? Bon, peut-être que j'ai fricoté un peu avec toi, mais c'était léger. J'étais jeune et pas encore avec Christine, je te le rappelle. Oh, léger, c'est toi qui le dis, hein? Ouais, écoute, un petit flirt lors d'une soirée d'anniversaire, c'est tout. Parce que tu étais mignonne à l'époque. Je veux dire que tu étais déjà mignonne à l'époque. Eh ben, moi je crois que c'était un flirt un peu plus poussé, si tu vois ce que je veux dire. Comment ça? Nous voilà. On est prêts. Voilà. Je me sens un petit peu fatiguée là d'un coup. Je crois que j'ai eu des hallucinations. N'est-ce pas, Marie? C'est vrai, vous êtes toute seule, mamie? Ça sent le sapin. Ce ne sont pas des clients, ce sont des patients. Ah bah c'est sûr, avec des blagues pareilles, ils sont patients. Et vous voulez qu'on aille au resto, mamie, là? Non, ça va aller, allez me chercher mon manteau, hein, ça va aller. Oh, le faillot! Eh, mamie, pas de blague, hein, vous nous avez promis le restaurant ce soir, faut que le cœur tienne quand même jusqu'à l'addition. Je plaisante. Et pour les voitures, comment fait-on? Danibou nous emmène tous en Eh, je suis chez Chronopost maintenant, moi. Ah, mais c'est super! On sera sûr d'arriver à l'heure au restaurant. Oh. Ah, plus haut, hein. Allez, on y va, là, parce que là,
Trinidad, tout là-bas aux Antilles. À Trinidad vivait une famille. Il y avait la maman, le papa, le grand-fils aîné, qui à 40 ans n'était toujours pas marié. Un jour il trouva la fille qu'il voulait et il dit à son père, je voulais l'épouser. Hélas mon garçon, hélas tu ne peux pas, car cette fille est ta sœur et ta mère ne sait pas. C'est très vague, hein. D'ailleurs, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais autant bu.
Je te signale que Monique n'est pas trop au courant de ce petit rapprochement, hein. Pas trop au courant, ça veut dire quoi? Elle sait qu'il s'est passé quelque chose entre nous ou pas? Je n'allais quand même pas tout lui raconter. Ça fait une semaine qu'on est ensemble. D'ailleurs, maintenant, plus de rapprochement. Eh bien, la journée de demain, Robert. Qu'est-ce qui va se passer demain? Et vous faites quoi, là, avec le... la chaise, là, sur la table, là? Hein? Vous faites quoi, là, avec la chaise, là, sur la table? Tu connais pas la blague de la chaise? Non. Dommage, elle est pliante.
si j'ai tout compris, c'est journée ski aujourd'hui. Oui, Clément a tout organisé. Et par contre, dès notre retour, réunion de famille. Ah, enfin, on va pouvoir parler de l'héritage. Tu nous gonfles avec ça, Bernard, c'est bon. Oh, et pourquoi cette réunion, Marie? Oh, c'est un peu compliqué à expliquer, on verra ce soir. Bonjour à tous. Bonjour. Salut, André, on va prendre la place. Non, non, bougez pas, on a pris l'habitude de ne pas déjeuner le matin. Ah, je comprends, à 23 euros la visite, ça fait un peu dur, hein. Forcément, vous êtes obligé de supprimer un repas. Ça, ce que je vois, Bernard. Dis donc, Pierrot, c'est pas parce que ta langoustine ne ramène pas d'argent à la maison que tu voulais faire des séances de chiropracteur au noir, hein? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai eu le malheur de lui parler de notre petit déblocage d'hier soir. Oh, je comprends. Bah, moi, je comprends pas. Tu pourras m'expliquer? Tu peins, les fonctionnaires passent leur journée à surveiller la pendule, alors forcément ils peuvent se permettre de faire un deuxième boulot au noir. Tu en dis des conneries, toi, quand même. C'est pas moi qui dis, c'est vous. Comment vous appelez déjà une journée de grève à la poste, ça? Ah bah, je suis impatient de savoir, tiens. Une journée d'action. Et tout le monde, hein? On les pêche, hein? Je vais faire dans 10 minutes, on n'oublie pas. Les lunettes, les gants, enfin, la ferraille, les skis. Ok, on prend nos affaires et on arrive. Okay. Et. Tu ne viens pas, Tata? Oh, si, si, mais cool, le héros. Il y aura le feu. Tu vois, tu es en train de te faire un joint. Et tonton Bernard, il est au courant de ça? Tonton Bernard, il boit du vin, de la bière, il fume le cigare. Alors si franchement, je pouvais pas me rouler un petit joint de temps en temps, ça serait quand même un con, non? Waouh! Je savais que t'étais super cool, mais là t'es vraiment la belle pisse. Hein. Oui, et si tu veux un conseil, si tu pouvais éviter toute cette saloperie, tu t'en porteras que mieux quand même. Hein. Ne t'inquiète pas, Tata. Si je veux devenir un prof nickel, pas d'alcool, pas de tabac et encore moins de drogue. Cache tout, cache tout. Cache tout. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, celui-là? Oh, mais dégage de là! J'ai oublié ma canne en plus! Ça m'échauffe. Oh, bah tu t'échauffes. Mais oui, Juju, je t'aime. Oui.
Mais oui, au petit déjeuner, je leur annonce, et après, on se consacre à nous. Oui, tu me mens, Juju. Mais non, ma mère ne sera pas choquée. Tout va bien se passer, tu verras. Oui, Juju. Oui. Non, toi d'abord. Voilà. À bientôt. Bah, sinon, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais il se passe des trucs bizarres à côté. Bizarre, cette famille. Spécial comme famille, les voisins. Bon, bah, nous, on est dehors, les cailles, alors on va jouer un petit morceau. Alors. Mon anniversaire dans ce chalet, celui de mes 25 ans.
Je me souviens de tes 25 ans, mais de la soirée. Difficile. On était tous tellement bourrés, tellement honte que moi on en parle mieux, c'est. Hein. Oui, mais là, il faut que l'on en parle. Pour une fois, je suis d'accord avec Christine. Est-ce qu'on va laisser emmerder à rappeler ce mauvais souvenir? Ce mauvais souvenir? Je veux dire simplement, c'est du passé, on n'en a plus rien à faire, c'est tout. Peut-être, mais je vous signale que Clément a sûrement été conçu pendant cette soirée. Oh là, ça se complique. Marie n'a jamais voulu dire à Clément le nom de son père. Nous, on respecte. Je ne vois pas pourquoi on en parle aujourd'hui. Parce que le nom du père de Clément est dans cette enveloppe. Très bien, mais je ne vois toujours pas en quoi cela nous concerne. C'est avec Clément que tu aurais dû faire cette réunion, Marie. Oh là, ça se complique vraiment. Et enfin, Marie, explique-toi, bonsoir. Il n'y a pas le feu. On pourrait peut-être remettre ces trucs. Il est très probable que le père de Clément soit dans cette pièce. Pas si vite, un petit rapprochement n'annonce pas forcément l'arrivée des spermatozoïdes. Bernard? Bernard, tu peux m'expliquer? Ah ouais. Je crois qu'il est très 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 urgent de pas trop 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 souffrir. Bernard, tu peux m'expliquer? Oui. On a eu un petit écart de conduite qui aurait pu provoquer la naissance de Clément. Un petit écart de conduite, très petit petit. Eh ben, on n'avait pas tout dit. Tu es avec ma sœur ou pas? Il me semble, je crois que oui. Ça ne changera rien. Oui,
pense aussi. Tout le monde est d'accord? On ouvre l'enveloppe demain matin. Ça vous laisse du temps de réfléchir. Alors. Plus personne n'a rien à dire là? Bon, on peut faire attention. Bien, 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 fini les confidences. J'ai eu peur. Ça aurait pu être pire. J'ai cru un moment que le livreur de colis allait nous annoncer qu'il avait emballé ma femme. Monique! 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 Mais enfin. Oui? Mais enfin, c'est quoi ce bordel? Oh là 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 là, ben moi j'y suis pour rien. Ben moi non plus, hein? Monique. Oui, bon, il n'y a pas mort d'homme. Oh. J'ai couché avec Hiro deux ans avant de te connaître. Tu me l'as pas demandé? Je ne m'attendais pas à une chose pareille, hein. Je connais le slogan qu'on voulait avec la pose, mais alors là, on s'est goûté, hein. Oh, c'est bon, ça fait un partout, hein. Mais moi, monsieur, je n'ai pas fait un cosse avec mon beau-frère. Thank you.
Vache, impossible de fermer l'œil à cause de cette foutue enveloppe. Bon, je l'ouvre. Non, 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 non. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Bah, la même chose que toi, tiens. Il est 2h30 du matin, et il y a un petit quelque chose qui m'empêche de dormir. Et on en a fait des fêtes ensemble, hein. On était souvent bourrés, mais aujourd'hui, c'est pas bon. C'est vrai que on participait à tous les bons coups. Je suis pas sûr qu'on je me rappelle de tous les fêtes qu'on a fait, dis donc. Tu te rends compte d'une catastrophe si Clément est mon fils? Et alors, toi ou moi, ça change quoi? On l'adore tous, ce gamin. On l'adore tous, mais il va être professeur des écoles. Je vois pas le rapport. Tu me vois, moi, le père d'un fonctionnaire. Ben, on se connaît depuis que l'on a 16 ans. Et si je me souviens bien, à l'époque, tu voulais être commissaire de police, comme Maigret, donc fonctionnaire. Heureusement que j'ai changé d'avis. Tu n'as pas changé d'avis. Tu as raté les épreuves physiques du concours d'entrée. Parce qu'à l'époque, tu étais déjà un peu maigrichon. T'as pas de la gueule, toi? Ouais, c'est vrai. Tu t'es démonté l'épaule en lâchant la corde à 3 mètres de haut. C'est bon, je m'en rappelle. Et qui c'est qui t'a amené chez le repouteur du coin pour te faire remettre en place, hein? Ben, c'est moi. En plus, en sortant de chez lui, tu as dit, voilà le métier que je veux faire. Dis donc, tu vas te faire engueuler, toi. Pourquoi? Si je dis à ta femme que c'est grâce à toi que je gagne plus d'argent qu'elle. Bernard, ce que je veux dire, c'est que si ce gamin est tien, eh ben, tu sauras changer d'attitude et tu sauras être un bon père. Tu crois? Mais c'est certain. Je me mis, et toi, enfin, toi et Monique, enfin, depuis que je suis avec Monique. Ben, t'as déjà dit, ça, c'était bien avant que vous soyez ensemble. En plus, entre elle et moi, ça ne collait pas, alors. Je me méfie. Oh, tiens pas à prendre un jour que mon Ludovic est le fils du facteur. Allez, c'est suffisant. Lâche ça, on verra ça demain. Allons nous coucher, monsieur. Allez, viens, viens. Personne n'est
est pressée de se lever, hein. On demande pourquoi. Ouais, Pierrot, je pense pareil. Il n'a pas dû dormir non plus beaucoup. Bon, hé, tiens, Monique, tu sais quoi? L'enveloppe, là. On va la mettre ici, bien en vue, histoire de leur saper un peu plus le moral à ces deux-là. Enfin, quand même, hein. Marie, elle est gonflée de nous annoncer ça comme ça. Mais comment voulais-tu qu'elle nous l'annonce, là? Bah, elle aurait déjà pu nous dire avant, à toi et à moi. Et ça aurait changé quoi? Bah, ça aurait changé que j'aurais pas appris devant tout le monde que mon ex s'était tapé ma frangine. Eh ben moi, c'est pire, c'est avec mes deux sœurs qu'il a couché. Ne ça compte pas, moi, c'était bien avant votre histoire. Et puis, Pierrot et moi, c'était pas pire. Pourtant, vous nous entendez bien quand on se voit. On aime bien se voir de temps en temps, mais tout le temps. Oh non, ce serait pas possible. Bah, tant mieux. Ben, c'est quand même un truc qui était pas mal, hein. Oula, tu parles de ce que je pense. Ton mec au lit, c'est une bête. Calme. Je pense que Bernard doit être pas mal non plus, hein. Rien à voir. À ce point, j'espère que tu sais quand même la chance que tu as d'être avec un mec bien monté, quoi. Monique, je t'en prie. Pas ce genre de discussion entre nous. Est-ce que Bernard n'a pas autant d'avantages? Non, enfin, rien à voir. Non mais attends, on s'entend bien. Bernard est très gentil, hein. Enfin, tu sais ce qu'on dit, quoi. Bah, le plaisir n'est pas proportionnel à la taille. Bah, heureusement qu'il y aurait beaucoup de femmes insatisfaites, hein. Ah ça, c'est sûr, je te confirme, c'est sûr, hein. Enfin, tu sais, quand tu fais du poney, pendant qu'il y a des femmes, là, comme toi, là, qui font du cheval, allez, wouh, 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 wouh. Nick, stop. On va quand même pas débattre des performances sexuelles de nos maris ici, quand même. Oh, on dirait que tu as l'air déçue de ne pas avoir couché avec Bernard, toi. Pas du tout. Mais moi, je ne peux pas comparer Pierrot et Bernard. Garde ton Pierrot, va. Il est très bien. Bah, j'y compte bien. Bon, allez, on va finir d'installer, oui. Parce que ça va bouger, je pense. Alors, dessert glace, sucre, bon, et jus d'orange. Allons, on y va. Bah, c'est l'enveloppe. Bon, vous n'avez pas ouvert hier soir.
a décidé de l'ouvrir avec Clément. Bah, c'est une bonne idée, mais... Personne ne sait, alors. Et tu vois du café, toi, maintenant? C'est drôle. Je vais pouvoir fermer l'œil de la nuit. Je crois qu'il va m'en falloir des litres pour tenir aujourd'hui. Eh, dis donc, ami, vous en pensez quoi, vous, de l'histoire de Marie, là? Eh ben... Je ne sais plus. Je réfléchis. L'alcool est un très moyen de contraception, mais bon, quand même. Bonjour. Ah ben, bonjour, quoi. Oh, oh. Maman, tu me trouves bien. Bien dormi. Venez ici. Ça va bouleverser un peu la famille. Oui. Ça va
balai. Bah écoutez, si c'est pas une super nouvelle, on va peut-être commencer par la mienne. Oui, voilà, allons-y par papier. Je vais tout vous raconter, mais regroupez-vous, mettez-vous à l'aise, ça va être un petit peu long. J'en ai pour un petit bout. Mais prends ton temps, on a tout notre temps. Les mères sont, parce qu'il se passe quelque chose d'intense chez leur enfant. Bon, je raconte. Vous savez que je fais toujours des recherches pour retrouver mon père, et que cela me tient vraiment à cœur. Je crois, mon petit Clément, tu vas voir bientôt beaucoup de temps de lit. Donc j'étais au centre des archives de presse. Je cherchais quelque chose, un nom parmi ceux que vous avez pu me donner, là, qui ont participé à votre fête. Vous savez, il y a 25 ans. Vous savez d'ailleurs que j'en ai retrouvé 5, mais les tests ADN n'ont rien donné. Bah bon. Vas-y, tu avais fait faire des tests ADN. C'est bien un truc de mère en plus, ça. Non, cela n'a jamais rien donné. Mais ce n'est pas là le problème. Alors je faisais mes recherches, je tombe sur une fille un peu plus âgée que moi, qui elle aussi recherchait un membre de sa famille. Et elle t'a tapé dans l'œil. Ah non, vraiment pas terrible comme gonzesse. Oh, mais non, tu sais que je n'aime pas que tu parles comme ça les filles, hein. C'est vrai, t'as raison, maman. Par contre, elle était accompagnée de mon fille. Vous auriez vu une vraie bombe. Oh, super, une bombe. Ta tante Monique adore faire du cheval. Donc j'essayais de croiser son regard. Mais vraiment rien à faire, elle ne s'intéressait pas du tout à moi. Et puis plus rien, pas plus rien. Jusqu'à fin septembre, non début septembre, lorsque j'arrive à mon premier cours à la fac, dans l'amphi, qui je vois arriver, la bombe. La chose, elle était dans la même promo. Et là, tu l'as draguée. Bah oui, maman, mais elle était vraiment coriace à maman. Oh, qu'est-ce que t'as fait là-là? Bah, justement, fin septembre, il y a un intervenant extérieur de la fac qui est venu et qui a dit qu'il allait former des groupes de deux pour le TP du mois d'octobre. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai été le voir pour le convaincre de me mettre avec elle. Et c'est là que tout est arrivé. Oh. Alors, il était pécho la gonzesse. C'est quoi ce langage? Ah oui, j'essaye de communiquer avec tout le monde. Oh. À dire, je sais pas comment on va annoncer ça, mais enfin, j'ai appris à connaître l'intervenant extérieur. Là, on a pas mal de points en commun et on est vraiment bien ensemble. Oh. Oh. Bah, quand je disais on va y aller par palier, je vois pas comment c'est un peu plus compliqué, mais là. Oh. D'ailleurs, maman, à ce propos, je t'ai emmené sa photo. Voilà, c'est lui, c'est Julien. C'est Julien! C'est Julien! Mais bon Dieu, bon Dieu! Mais c'est quoi? Bah c'est un mec! Si mon nom est dans l'enveloppe, je fous le camp sur une île déserte! J'avoue la joie dans votre pétard! Bon, eh
ben voilà pour ma bonne nouvelle. Et vous alors, c'est quoi la vôtre? Bon, qui lui dit là? Parce que moi là, je suis à bout. Bon, Clément, cela te concerne. Ah. Tu te souviens, le soir où ta mère t'a conçu, tout le monde avait beaucoup bu. Ah oui, vous aviez dû ramasser une saquette bordée pour plus vous souvenir de rien du tout. Eh bien, on a un petit scoop sur cette soirée. Je me demande si on ne doit pas attendre un peu. Arrête donc, Pierrot, je suis d'accord avec toi. Ah, ah ben, pas que les bonnes trans sont sortis. Continuez, ma chérie, et on vous vous s'asseoir. Et on l'écoute. Eh bien, ta mère s'est souvenue d'un petit truc. Il paraît que tes deux oncles, ici présents, se sont montrés très actifs lors de cette soirée. Sur quoi exactement, papa? Mon petit Clément. Tu sais que les enfants ne naissent pas dans les choux. T'as un bébé, il faut deux personnes. Il faut une dame et un monsieur. Tu as de vagues souvenirs et une quantité d'examens apparemment à la mode dans le cabinet. Va par le biais de cette enveloppe nous révéler le nom de ton père. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce que veut dire ton nom, c'est que tu vas découvrir dans cette enveloppe le nom de ton nom. Dans ton père. Ton père, ton nom. Ton père. Oh, et stop, les tontons là. Vous en faites un numéro de tous d'enfer tous les deux. J'aurais dû bien vous prendre sur mon téléphone pour vous mettre sur les réseaux sociaux après. Pourquoi tu dis ça, Clément? Mais je vous ai dit, c'était qui mon père? Ah, ah oui, vous avez rien écouté de ce que je vous ai dit tout à l'heure ou quoi? Je vous ai dit que mon père, c'était Julien. Julien! Oh, mais enfin, Clément, tu connais Julien depuis combien de temps? Depuis combien de temps que tu nous connais, celui-là? Tu nous as dit que Julien était ton ami? Quoi. Ah non, ça on a pas fumé du chichon. Il va le pas ici qu'on a fumé. Alors, pour ton bonjour, tu nous as dit tout à l'heure, hein, que tu avais fait un petit rapprochement avec un Julien. Oui ou non? Bon, mais tu nous as jamais dit que c'était ton père. Ah ouais, j'y suis. Vous avez tous cru que j'étais devenu pédé en fait. Oh mon Dieu! Elle est
sais pas pourquoi, mais je me sens beaucoup plus léger, là. Toi, tu n'enlèves rien aux bêtises que tu as faites. Pourquoi tu n'enlèves rien aux bêtises que tu as faites? Mon frère, l'histoire de cette enveloppe avec le nom de mon père dedans et tout ça. Ça, c'est rien, ça, c'est pas. C'est une histoire, c'est une blague de ta mère pour amuser tout le monde. Ouais, parce que là, je commençais vraiment à désespérer. Je vous ai dit que j'avais retrouvé 5 des 10 là, que vous m'avez donné comme liste. Et puis, j'enlevais bien sûr tonton Pierrot et tonton Bernard au-dessus de tout soupçon. C'est ça, oui, au-dessus de tout soupçon, oui. Eh bien, moi, j'aimerais bien que tu m'avoues, présente Julien, là. Moi, je me souviens pas d'un petit Julien, là. Moi non plus, Julien, ça ne me rappelle rien. Ah ouais, c'est bien ce moment-là, Julien. C'est bien, Julien. Oui, il est assez prévu, là, aussi de vous rencontrer. Ah ah ouais. Julien! Dis-moi, Marie! Toi, Julien, ça ne te rappelle rien? Non, parce qu'à la fin de soirée, là, avec tout ce défilé-là, tu avais le temps de prendre des notes? Julien, Pierrot, Bernard! Merde alors! Tu te plais, merde alors! Oh. Merde alors! Toute une nuit à tourner en rond pour rien! C'est sûr, hein? Tout ça pour un petit coup de ci de là! Je voulais dire aussi peu. Alors là, tu vas sentir très facile. Il y a déjà grand chose qui dépasse. Thank you.
Et juste avant de passer la parole
parole à Stéphanie, je vais faire un petit message personnel. Je ne sais pas où elle est. Je souhaite un joyeux anniversaire à ma fille chérie, Alban. À qui on a... beaucoup plus loin de Haute-Savoie, à la maman de Magali. Joyeux anniversaire. Et les tréteaux du Blavet qui nous ont prêté tous les éléments de décor, gentiment.